Accusé de diffamation par la Fédération algérienne de natation pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, le nageur Oussama Sahnoun a été innocenté par la justice. Le champion de France du 100 mètres nage libre avait accusé le président de la Fédération algérienne Hakim Bougadou, ainsi que son directeur technique, de négligence lors de la préparation au championnat du monde 2017 en Hongrie. Après avoir été innocenté, l'accusation a fait appel le 7 janvier dernier. Oussama Sahnoun a tenu à s'exprimer à ce sujet. Le tribunal a prononcé la relaxe en ma faveur. Mais malheureusement, un appel a été enregistré contre cette décision de relaxe par ces deux personnes. Malheureusement, ils veulent toujours pas assumer la faute grave commise avant les championnats du monde. Ils veulent toujours me perturber et me déstabiliser dans ma préparation. Moi, aujourd'hui, je demande au ministre de la Jeunesse et des Sports d'intervenir et de mettre un terme aux agissements des deux responsables de cette fédération. Pour rappel, la première audience s'est déroulée le 7 décembre et l'avocat de l'accusation avait demandé un renvoi prétextant l'absence du président de la Fédération algérienne de natation, renvoi qui lui a été accordé. Un second renvoi a été demandé le 26 décembre 2017, mais il a été rejeté et le tribunal a statué en faveur d'Oussama Sahnoun.